Mais enfin, mais que faites-vous? Oh, absolument rien de terrible. Je relève des empreintes de balles. C'est la fin de tout. Vous dépassez les bornes, Holmes. Notre appartement n'est pas un champ de tir, des empreintes. Avez-vous déjà vu des empreintes de balles? C'est la première fois que j'en entends parler. Vous tuerez quelqu'un de ces jours, Holmes. Vous finirez vos jours en prison, c'est moi qui vous le dis. Bien sûr, empreintes de balles est le nom que je leur ai donné. C'est en réalité les marques laissées sur la balle par les striures du canon. Voulez-vous examiner ces deux balles à l'aide de cette loupe? Vous observerez qu'elles portent des marques différentes parce qu'elles ont été tirées par des armes différentes. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que la police va être ici dans une minute. Mais ça devrait vous intéresser, Watson. Ça vous intéresse-t-il de sauver des vies humaines? Mais évidemment. Eh bien, mon cher, cette petite expérience pourra peut-être sauver des vies un jour. Comment le fait de tirer des balles? Ah, vous allez comprendre. Mettez-vous à la place d'un homme accusé de meurtre. Ah, ça, je n'y tiens pas. L'accusation affirme que les balles ont été tirées par son revolver. Eh bien, c'est qu'elles l'ont été. L'homme est coupable, sans aucune discussion. Oui, mais si on peut prouver que c'était impossible par les empreintes, alors un innocent verra sa vie sauvée. Tout cela est merveilleux, Holmes, mais cette maison n'est pas un endroit où mener ce genre d'expérience. Que diriez-vous si je faisais une opération chirurgicale dans la baignoire? Vous croyez, ou sur la table de la cuisine? Vous croyez que vous y arriveriez dans une baignoire? Oh, j'abandonne. Et maintenant, si vous n'avez pas besoin de cette fumée qui empeste pour d'autres expériences, je vais, avec votre permission, ouvrir la porte. Holmes, je l'avais dit. Je savais que ça tournerait mal. Vous avez tué un homme. Eh bien, si c'est vrai, il faudra que je fasse vérifier ces pistolets. Oh, c'est fantastique, on dirait qu'il respire encore. Sûrement pas, grâce à vous. Aidez-moi à le porter avant que quelqu'un le voie. Oui. Vraiment, tirer des coups de revolver, fabriquer du poison, effrayer les voisins, c'est plus qu'un homme peut en supporter, Holmes. Oui, un homme normal, en tout cas. Suis-je grièvement blessé, monsieur? Oh, je suis pauvre, jamais je ne pourrai payer les frais d'hôpital. Non, vous serez sur pied dans une minute. Vous vous êtes simplement évanoui. Évanoui, dites-vous? Alors, vous n'avez pas entendu? Ah, j'étais là-dehors, sur le point de frapper à votre porte, quand soudain, on m'a attaqué. Quelqu'un s'est mis brusquement à tirer sur moi. Les balles arrivaient de partout. J'ai essayé courageusement de les désarmer, mais ils étaient trop nombreux. 6 ou 7 au moins. Et tous tiraient sur moi. Je vais vous chercher un verre de cognac. Oh, merci. Vous devriez appeler la police. Ils vont encore essayer de me tuer. La prochaine fois, je suis sûr qu'ils ne me rateront pas. Non. Vous n'avez rien à craindre. Ces balles venaient de mon revolver et étaient tirées dans la balle de coton là-bas. Vous voulez dire que c'est vous qui avez... Oui, je m'amusais à faire une petite expérience. Je tiens à m'excuser pour le choc que ça vous a donné. Alors, personne ne m'a attaqué? Personne, à ma connaissance, monsieur Wilson. Tenez, buvez ceci, monsieur. Ah, merci. Et vous venez de m'appeler monsieur Wilson. Comment saviez-vous que c'était mon nom? Et il est écrit sur votre col. Ah, c'est très habile d'avoir remarqué mon nom de cette façon-là. En fait, vous êtes exactement le cerveau qui doit m'aider à résoudre mon mystère. C'est-à-dire, si vous acceptez d'aider un pauvre homme. Ah oui, je vous dois au moins ça. Quel est ce mystère? Eh bien, peut-être en aurez-vous une idée plus claire si vous lisez ceci d'abord. Oui, dans la colonne des offres d'emploi. Lisez-le vous-même. Ah. À la Ligue des Cheveux Rouges, à la demande de feu Ezekiel Hopkins de Lebanon, Pennsylvanie, USA. Un nouveau poste est créé et réservé à un des membres de la Ligue. Pour un salaire hebdomadaire de 4 livres, il devra fournir un travail de pure forme. Tous les hommes à cheveux rouges, sains de corps et d'esprit, peuvent l'obtenir. Se présenter en personne mardi à 11h à Duncan Ross au bureau de la Ligue. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la Ligue des Cheveux Rouges? C'est un nom sortant pour le moins de l'ordinaire. Oh, je peux vous assurer, quand j'ai réagi comme vous, quand j'ai lu ça, un poste créé, pourquoi me suis-je dit? Je suis un revendeur d'objets d'occasion et j'ai pour habitude de faire payer à sa juste valeur ce que je revends. Aussi, ce qui m'a semblé bizarre, c'est qu'on pouvait se dire prêt à donner 4 livres par semaine pour rien. Oh, mais le jeune Spaulding, lui, était d'un avis différent. Qui? Qui est le jeune Spaulding? Oh, Vincent Spaulding, oui, c'est bon employé et le meilleur qu'on puisse trouver. Oui. Bon, j'aimerais que vous me racontiez toute votre histoire depuis le commencement. Depuis le commencement? Ah oui, bien sûr. Et voilà, ça a commencé il y a 2 mois, le jour où ce journal a paru. Je me trouvais dans la boutique. Oui, je passe pratiquement toute ma vie dans ma boutique. Je suis veuf et je prends peu de distraction. Quand le jeune Spaulding est revenu de déjeuner... Monsieur Wilson,
Je vous jure que c'est vrai. Comme je voudrais avoir les cheveux rouges comme vous. Mmh. Vous pouvez le croire ou non, il y a un autre poste offert par la Ligue des cheveux rouges. La Ligue de quoi? Des cheveux rouges. Vous avez sûrement entendu parler d'elle. Oh, je sors pas aussi souvent que vous, vous savez. Oh, mais je croyais que tout le monde en avait entendu parler. Et, en tout cas, les personnes ne pouvant avoir le poste. Un homme comme vous, si jamais vous l'obteniez, pourrait se faire un joli petit fromage, presque sans aucun effort. Vincent, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a une chose que la vie nous apprend. C'est que personne ne peut rien obtenir si ce n'est à la sueur de son front. La valeur reçoit son équivalent en valeur. Mais qu'est-ce que c'est que cette ligue? Jetez un coup d'œil vous-même dans le journal. Ah, si mes cheveux pouvaient changer de couleur. Je vous jure que je ne laisserai pas passer l'occasion. Mais je comprends pas ce que ça veut dire. Non. Mais regardez le nom. Ezekiel Hopkins. Ah oui? Et voyons, c'était un millionnaire américain. Plutôt excentrique. Il avait lui aussi les cheveux rouges. Et une grande sympathie pour tous les rouquins. Aussi, quand il est mort, il laissa une énorme fortune confiée à des notaires et destinée à améliorer la vie des hommes à cheveux rouges. Oh, réellement? Hein? Des hommes à cheveux rouges? Je ne peux pas, même si je voulais, n'oubliez pas qu'il y a la boutique à surveiller. Mais voilà l'important. Le travail est pour ainsi dire nul. Il ne peut en rien empêcher celui qui le fait d'avoir d'autres occupations. Mais justement, probablement qu'ils seront des millions à se présenter. Non, le choix est limité aux Londoniens et déjà adultes. En effet, cet Américain a connu sa réussite à Londres et je suppose qu'il désire rendre la politesse à notre ville. Et enfin, j'ai appris qu'il était inutile de se présenter à moins d'avoir des cheveux absolument rouges carottes. Ah, et vous croyez que les miens sont assez rouges? Oh, jamais je n'en ai vu de plus rouges. À cet argent me rendrait service. Et à certaines réparations que je pourrais faire, je... Vincent, je vais aller me renseigner sur cette ligue. Fermez la boutique, vous venez avec moi. Oui, monsieur. Ah, vous avez raison. Ils sont bien rouges carottes. Laissez-moi m'occuper de tout. Allons, allons, messieurs. Écartez-vous, messieurs. Voici monsieur Hopkins, fils. Écartez-vous, sinon il refusera de vous recevoir. Oui, monsieur Hopkins. Je vous en prie. Merci encore d'être venu, monsieur... Iverson. Nous allons examiner votre candidature. Et si c'est vous qui êtes choisi, ce que je vous souhaite, vous en serez averti immédiatement. Merci, monsieur Ross. Je souhaite l'emporter, moi aussi. Ça m'aidera à élever ma petite famille. L'avenir nous dira ce que sera l'avenir, monsieur Iverson. Merci encore, monsieur. Êtes-vous le candidat suivant? Oui, voici monsieur Jérôme Wilson. Vos soucis sont terminés, il est prêt à accepter l'emploi. Veuillez vous asseoir, monsieur Wilson. Jamais rien vu de semblable. Ah, vous voyez, monsieur Wilson. C'est extraordinaire, presque incroyable. Mes félicitations. Ce serait une injustice d'hésiter. Oh, ça veut dire que j'ai la place où vous l'avez. Ah. Vous voudrez cependant m'excuser si je prends une toute petite précaution. Vous avez des larmes dans les yeux. Ça prouve votre entière bonne foi. Mais nous devons être très prudents, car deux fois déjà, nous avons été trompés par des perruques et une fois par de la peinture. Oh. Je suis désolé, la place est prise, messieurs. Mais merci quand même à tous d'être venus. Encore un qui s'est fait pistonner. Mon nom est Duncan Ross. Je suis un des notaires administrant la fortune laissée par votre noble bienfaiteur. Quand serez-vous prêt à assumer vos nouvelles fonctions? Oh, mais à vrai dire, quand vous le voudrez. Bien que je doive signaler que j'ai une autre occupation qui me prend une partie de mon temps. Oh, à condition que vous soyez ici tous les jours de 10h à 2h, ça ne soulèvera aucune objection.
Ce sera très facile, Monsieur Wilson. Il y a peu de monde durant ces heures-là, et puis de toute façon, moi, je serai à la boutique. Oh, merci, Vincent, j'apprécie ce geste. Ah, au fait, qu'est-ce que je devrais faire? Copier l'encyclopédie. L'encyclopédie britannique. Vous devrez fournir les plumes, l'encre et le papier buvard, et la copier entièrement, mot par mot. Cela vous convient? Oh, mais oui. Notre seule exigence est que vous restiez dans le bureau ou dans l'immeuble pendant vos heures de travail. Si vous vous absentez, nos accords deviennent nuls et non avenus. Le testament est formel sur ce point. Il ne s'agit que 4 heures chaque jour. Ce sera pas long à passer. Aucune excuse ne sera acceptée, quelle qu'elle soit. Ni la maladie, ni les affaires. Ou vous restez ici, ou vous perdez votre place. Oh, j'ai bien compris. Alors, au revoir, Monsieur Wilson. Et encore, laissez-moi vous féliciter. Oh, merci, monsieur. Merci beaucoup. L'encyclopédie britannique. Oh, vous ferez du beau travail, Monsieur Wilson, j'en suis persuadé. Le premier mot était Aachen. Au bout de 8 semaines, j'avais fini les A et commencé les B. Pour ce travail, M. Ross me remettait tous les samedis 4 souverains en or. Mais hier matin, en arrivant, je reçus un choc terrible. La Ligue des Cheveux Rouges est dissoute. Entrez. Monsieur Milford? Oui, mais entrez donc. Qu'est-il arrivé à Monsieur Ross? Monsieur qui? Monsieur Ross, Duncan Ross, du bureau numéro 4. Il est parti. Que lui est-il arrivé? Attendez, je vais consulter mes fiches. Êtes-vous un client de ce Monsieur Ross? Je travaille pour lui, du moins je le faisais jusqu'à ce matin. Que faisiez-vous? Je copiais l'encyclopédie. Vous copiez? L'encyclopédie britannique. Est-ce que ça n'aurait pas coûté moins cher d'acheter une autre encyclopédie au lieu de perdre tout ce temps à la recopier? Ah, je suis d'accord là-dessus, mais c'était le travail que la Ligue des Cheveux Rouges avait exigé de moi. Écoutez, mon ami, si c'est une plaisanterie, je n'en saisis pas l'humour. Si ça n'en est pas une, alors apprenez que le bureau numéro 4 avait été loué temporairement à William Morris, agent de change. Et je n'ai jamais entendu parler de ce Ross ni de la Ligue de Cheveux Rouges. Je suis certain qu'ils n'ont jamais existé. Je réussis à avoir l'adresse de William Morris. Mais quand je m'y rendis, je n'ai trouvé qu'une fabrique d'articles pour dames, dont je préfère ne pas parler. Et personne n'y connaissait William Morris ni Duncan Ross. Ma parole, vous deviez commencer à vous faire des cheveux blancs. Après ça, je ne savais plus quoi faire. Toute cette aventure était si embarrassante que j'hésitais, vous comprenez, à en parler à Spalding. Et alors, tout naturellement, vous avez pensé à moi. Je l'ai déjà dit, monsieur, je ne suis pas très riche. Si je ne retrouve pas la Ligue ou n'apprends pas ce qui s'est passé, ça signifiera pour moi la perte de 4 livres par semaine. Ça signifiera la perte de rien du tout, monsieur Wilson. On ne peut pas perdre ce qu'on ne possède pas, et comme à mon avis, toute votre histoire n'est qu'un tissu de mensonges... Oh! Et même si elle est vraie, vous n'avez pas à vous plaindre. Cette expérience vous a rapporté 30 livres, je crois, sans parler des inestimables connaissances que vous ont donné chaque mot de la lettre A. Si j'étais à votre place, monsieur Wilson, je m'estimerais très satisfait et j'essaierais d'oublier toute cette affaire. Bonjour, monsieur. Eh ben, je ne m'attendais pas à ce genre de réception. Si vous découvrez un cadavre dans le courrier que vous recevez à votre boutique, cher monsieur, alors revenez me voir. En attendant, excusez-moi, j'ai une expérience importante à terminer. Je vais me renseigner pour savoir si tirer des coups de feu dans une maison est illégal. Et si ça l'est, comptez sur moi pour vous dénoncer, monsieur. Holmes, pourquoi diable vous êtes-vous conduit comme ça?
Oui, oui, c'est vrai, mon attitude a été particulièrement incorrecte, Watson, mais absolument nécessaire, je vous l'assure. Pourquoi? Eh bien, si je lui avais dit que je me chargeais de l'affaire, il est probable qu'il l'aurait répété à ceux qui doivent l'ignorer. Alors pourquoi l'obliger à porter le fardeau d'un secret? Donc, ça veut dire que vous vous chargez de l'affaire? Je ne voudrais pas manquer de retrouver la Ligue des Cheveux Rouges pour tout le thé des Indes. Chine, de Chine, Holmes. Vous ne croyez pas que ce soit une farce montée aux dépens de M. Wilson? À 4 livres par semaine, je veux bien qu'on m'en monte de semblables tous les jours. Oui, c'est évidemment une somme. L'affaire, à mon avis, se résume à 2 pourquoi. Je crois connaître le premier pourquoi, mais le deuxième m'échappe. Quel pourquoi connaissez-vous et quel pourquoi ignorez-vous? Pourquoi la Ligue a été formée, c'est facile à comprendre, pour tenir Wilson éloigné de sa boutique quelques heures tous les jours. Mais pourquoi est le pourquoi que je veux découvrir? Mais pourquoi le pourquoi que vous voulez... Je saisis! Vous voulez dire qu'on voulait éloigner Wilson de sa boutique afin de lui voler quelque chose? Non, 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 l'affaire est trop fouillée pour justifier un simple vol au magasin de Wilson. Non, la raison est plus forte que ça, plus forte que celle que l'un de nous pourrait imaginer. Oh, vous n'allez pas recommencer, Holmes. Non, mais je vais emporter ça avec nous. Nous? Oui, vous êtes mêlé à cette affaire, n'est-ce pas? Je suis un médecin, Holmes. Mais raison de plus, si jamais quelqu'un était blessé. Oh, quand je pense que la journée s'annonçait si bien, un de mes vieux amis vient d'arriver des Indes et nous devions déjeuner tous les deux. Et maintenant, nous voilà partis en chasse contre cette Ligue des Cheveux Rouges. Oui, quelle chance, hein? On dirait qu'il n'y a personne. Demande où il peut être. Je suis à vous tout de suite, messieurs. Que désirez-vous? Je m'excuse, j'étais occupé dans la cave. J'espère ne pas vous avoir fait trop attendre. Pas du tout. Mon ami voudrait acheter un souvenir pour sa nièce. Hein? Êtes-vous fixé sur quelque chose en particulier? Bien, c'est-à-dire peut-être... Enfin, non, qu'est-ce que c'est? Ça? Oui. C'est un... Ah oui, 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 oh, c'est du plus haut intérêt. C'est la partie avant de la structure d'un piège à pachyderme. Non, est-ce possible? Mon Dieu, vous voulez parler des pachydermes? C'est vraiment intéressant. J'ai toujours été passionné par les pièges à pachydermes. Ah oui, ah oui, les pachydermes, ça me rappelle ma jeunesse. Et nous étions tous là, alignés sur un rang à perte de vue, tandis qu'en face, les bataillons ennemis se préparaient à charger. Monsieur, veuillez m'excuser. Et nous étions là stoïques, hein, contre 121, des comptes établis après la bataille, naturellement. Oh, naturellement, naturellement. Chargez, crièrent-ils les duos des collines, des ferlaires, les hordes des païens, et à 121 contre 1. Et c'est ce jour-là que je suis devenu collectionneur, et depuis je le suis toujours resté. Vous comprenez ça, bien entendu. Bien entendu, mais c'est une réaction bien naturelle. Il est une heure. Il est une heure, quoi? Oui, 1 heure. Nous avons rendez-vous avec le colonel. Voyons, rappelez-vous, celui qui a conduit la charge. Oh, c'est juste, oui, oui. J'espère que vous voudrez bien me le mettre de côté. Oh, les pièges à pachyderme sont très demandés actuellement, mais je ferai de mon mieux. Merci, c'est vraiment très aimable à vous. Au revoir, monsieur. Messieurs. Alors, qu'avez-vous découvert? Que les pantalons de Spalding étaient très usés aux genoux. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être bien des choses. Prêtez-moi votre canne une minute. Mais que faites-vous? Je vous l'expliquerai plus tard, mais sachez qu'un crime est en préparation. Et comme c'est aujourd'hui samedi, il sera difficile de l'empêcher. Quel genre de crime? Le cambriolage d'une banque. Quoi? Chut, rendez-vous ce soir à l'entrée de la Westminster County Bank à 10h juste. C'est la banque qui doit être... Chut, à 10h juste, rappelez-vous. Entendu? Voici le coffre privé de la Westminster County Bank. Comme vous le voyez, ils sont inaccessibles. Pourquoi êtes-vous si sûr que la banque va être cambriolée, Holmes? Parce qu'un homme avait ses pantalons complètement usés aux genoux. Je ne vois pas comment on pourrait pénétrer ici. Est-ce l'or? Oui. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques mois de ça, d'augmenter nos réserves. Aussi, nous avons emprunté 30 000 napoléons à la Banque de France. Une fuite a dû se produire, si les déductions de M. Holmes sont exactes. Messieurs, nous devons nous tenir prêts. Dès que M. Wilson sera endormi, ils s'apprêteront à entrer. Mais qui ils?
J'espère que ça marchera. Allez, sautez! Arrêtez, Spaulding! C'est fini, Spaulding. Votre carrière de cambrioleur est terminée. Oui, c'est ce que je vois. J'espère que mon camarade, lui, a pu filer. Trois agents de police sont postés à l'autre extrémité. Je vois que vous avez très bien fait les choses. Tous mes compliments. Je vous adresse aussi les miens. Votre ligue des cheveux rouges était une très bonne idée. J'y suis. C'est vous qui êtes venu à la boutique aujourd'hui. Vous êtes venu avec... Avec moi. J'avais senti qu'il y avait quelque chose de louche. Vous n'aviez pas l'air d'un collectionneur. Ils vous ont ajouté à leur collection, en tout cas. Et maintenant, vous allez venir avec moi. Je ne sais comment la banque pourra jamais vous remercier, monsieur Holmes. Je suis plus que largement récompensé, monsieur Petitpont, par le fait d'avoir connu une des plus grandes émotions de ma carrière. Cependant, il y a une chose que vous pourriez faire pour moi. Laquelle? Eh bien, c'est... N'importe quoi, monsieur Holmes. Je suis un client fidèle de votre banque, monsieur Petitpont, et je vous serai éternellement reconnaissant si vous changiez vos porte-plumes. Oui, j'en ai encore pas vu un seul permettant d'écrire proprement. Vous venez, Watson? Ce que je ne comprendrai jamais, c'est comment vous avez pu découvrir que la banque serait cambriolée. Si vous vous rappelez bien, quand nous sommes allés à la boutique de Wilson, Spaulding était dans la cave. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais ensuite, j'ai remarqué que ses pantalons étaient très usés aux genoux. Et comme s'il avait passé un certain temps agenouillé par terre à creuser un trou. Mais un trou menant où? Peut-être de la cave à la maison d'à côté. Au moment où cette pensée m'est venue, je vous ai poussé dehors. Et je vous ai bien surpris en frappant le sol avec votre canne. Ah, ça, vous pouvez le dire. Oh, attendez, je vais voir qui c'est. Ah, c'est vous, bonsoir, inspecteur. Comment allez-vous? Bonsoir, docteur Watson. J'espère que je ne vous dérange pas. Mais pas du tout. Entrez donc. Oh, j'ai vu de la lumière, c'est pourquoi je me suis permis de... Comment allez-vous, inspecteur? Vous ne voulez pas vous asseoir. Merci beaucoup. Un peu de thé? Mais avec joie. Eh bien, on peut affirmer qu'à partir du moment où demain les journaux publieront vos exploits, vous serez un héros pour tous. Oh, j'essaierai malgré tout de demeurer modeste. Oui, pour Londres tout entier. Oui, à l'exception, bien sûr, de M. Wilson. Ah. Et sauf erreur de ma part, il continuera à vouloir que je vous arrête. M'arrêter, moi? Pourquoi donc? Eh bien, il n'a pas aimé la façon dont vous l'avez traité hier soir. Et naturellement, il a porté plainte. Mais pour un motif absolument ridicule, d'ailleurs. Et si je vous le révèle, vous allez bien rire. Il affirme que vous tiriez des coups de revolver dans cette maison. Oh. Mais seul un fou pourrait faire une chose pareille. Oui, je suis bien de votre avis. Oui, c'est exactement ce que je lui ai répondu. Un homme normal ne ferait jamais une chose pareille. Non. Ha 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 ha